Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur du 112 Operator, toujours avec le DLC The Last Duty. Du coup, on est parti sur l'épisode 3. On va se faire la nuit 3 et la nuit 4 ensemble. Juste avant de commencer, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, histoire de booster la vidéo au maximum. Du coup, il nous reste plus que 10 000 euros. On a déjà fait nos petites dépenses. Il y a l'instauration d'un couvre-feu par le gouvernement. Donc on va voir s'il y a du mieux, mais vraiment l'objectif ça va être de blinder l'effectif de police pour maîtriser au mieux les événements qui vont suivre. Let's go. Ok, tout de suite, un homme mordu, ça commence. Hein. On va déjà envoyer cette petite ambulance ici. Ça ira pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a, un incendie dans un bâtiment qui est haut. Est-ce qu'il est... Ah, peut-être à échelle. Besoin d'intervention des pompiers techniques. Ok, on va envoyer les deux. On va pas trop se prendre la tête. On va envoyer la petite moto. On dépêchera l'hélico si jamais il faut. Ok. Maison en feu. Eh bah, ok. Ils sont pas mal sollicités pour le moment. Lui, il a une grosse réserve d'eau. Ça ira très bien pour faire le taf. Toi, tu peux aller ici. Ok, on a un blessé. Sur les lieux. Ici, on a une fête bruyante. La moto, elle pourra faire le job. Il ne devrait pas avoir trop de risques. Eh ben c'est plutôt bien maîtrisé. Le feu, il en est plus qu'à 400 mètres carrés. Ok, ici. On va voir ce que ça donne. La petite fête bruyante, il n'y a pas de... Ok, il y a l'invité, il y a l'organisateur de la fête. Tranquille. Qu'est-ce qu'on a ici? Un homme qui a été mordu. On va dépêcher l'hélico sur place. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le foyer, il fait 300 mètres carrés. Ça va, c'est tranquille. Coincé dans l'ascenseur. On va envoyer ce camion ici. Organisateur de la fête. Est-ce qu'il y a besoin de l'emmener? Même pas. Parfait. Un bâtiment en feu à nouveau. Eh bah, pas de zombies. Mais alors en revanche, bon, c'est dans l'ascenseur. Ici on a un homme qui est mordu. Bah voilà, toi tu peux aller ici. Toi tu vas pouvoir revenir un peu ici. Tac tac tac, comment ils sont situés? Toi tu peux juste te décaler un peu, ce que je te verrai pas. Besoin de transport. Toi faut que t'ailles sur place. Je crois que j'ai manqué un truc qui vient d'apparaître. C'est ici, c'est un excès de vitesse. Allez, la moto qui va pouvoir le choper directement dans les petites rues. Allez, un face to face. Chut, allez, stoppé, fini. Besoin de transport, ouais, il arrive. Il va mettre un petit peu de temps d'ailleurs, un homme qui a été mordu. Toi tu peux te rendre sur la morsure soupçonnée. Toi tu vas aller ici. Cette vitesse, est-ce qu'il y a besoin de l'embarquer? On verra tout de suite. Recherche de l'origine de la fumée. On va dépêcher lui sur place. Toi, tu vas te rapprocher un petit peu. Tac. Eh ben, on est pas trop mal. Besoin du transport médical. Il arrive. Oh, personne errante contaminée. Allez. Qui d'autre que toi pour remplir cette mission? Il est très lent, mais au moins, ils sont 4. Ça va être de la vraie maîtrise. Ça sera parfait. Ok. Je vais regarder un petit peu le reste, ça a l'air de le faire. Une morsure soupçonnée, l'hélico il est où? L'hélico, on va pouvoir le dépêcher ici, on prend l'appel. Je me sens pas bien, j'ai été mordu. Ok, on va choper l'adresse. Tout de suite, c'est premier réflexe. C'est une maison... Ok, on a l'adresse, on va demander un peu plus. Êtes-vous en danger, un contaminé? Je ne sais pas. Comment est-ce que ça s'est passé? Je suis sorti avec des amis sur le chemin du retour. On est passé sous un passage souterrain. Allez, ça pue. Il m'a sauté dessus, n'ayant pas l'air bien. Je l'ai repoussé, mais il m'a mordu au bras. Ensuite, j'ai fui. Ouais, qui vit avec vous? Ah, c'est pas con ça. Ma femme et mon fils, nous restons la plupart du temps à l'intérieur de ces... Quoi chérie? Non, je suis juste en train de parler à Mike. Donne-moi encore 5 minutes. Je suis désolé. Où en étais-je? Ok, toi tu vas t'isoler mon grand. Vous pourriez avoir contaminé votre famille. Cette maladie, quelle qu'elle soit, peut être contagieuse. Ok. Vous devriez vous tuer. Non, isolez-vous. Retour à la base. Ça va empirer. Vous allez commencer à avoir un comportement violent. Pensez pas peut-être que je suis pas au courant. Je sais. Nous savons toujours pas grand chose sur ce virus. Merci. Je vais essayer. Attendre. Merci de m'avoir parlé. Allez. Il est directement arrivé sur place. Ça ira pas trop mal. Ouais, on va suivre ça de près. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une bagarre de rue. Donc toi, tu vas déplacer sur. Ici. Toi, tu vas pouvoir. Donc ça, finalement, c'est une personne errante. Ok, je crois qu'ils l'ont séché.
Ça va pas trop mal. Toi, t'es bien ici, hein, ok. On va envoyer la moto, histoire de... Toi, tu peux te déplacer juste à côté de la gare de gang. Alors, ma Sandy. Ah, il y a deux contaminés pour deux flics. Aïe, 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 aïe. Allez, 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 allez. Ok, un contaminé qui est au sol. J'ai l'impression... On a deux blessés, ok. Ça se passe vraiment pas bien. Toi, tu vas faire un crochet ici au malaise diabétique. Toi, tu vas faire un crochet ici, puisqu'ils font un transport de police. La bagarre, qu'est-ce que ça donne? Ils sont en train de le gérer. Eh bah, allez, vas-y, on va commencer à envoyer du renfort à mort. Parce que là... Allez. Faut y aller à gogo, là. Faut du monde, faut du monde. L'incendie, il a été géré, parfait. Besoin d'un transport de police. Toi, tu peux faire un petit saut ici. Ok, un homme qui a été mordu. Besoin d'un transport médical, ça arrive, ça arrive. Par contre ici, dispatchez-vous, dispatchez-vous. On va envoyer les coups ici. Conduite à contresens. Eh ben la petite moto, elle pourra faire le taf ici. Tac, 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 tout est géré. Lui, il va arriver. Ok, ici. Retour à la base, parfait. Les renforts arrivent. Ils vont débouler à 4. Ça va être terminé. Ah, contaminé. Ok, parfait. Ok, ok, hein. Quand même, hein. Victime d'une personne coupable. Un délit de fuite. Recherche d'une personne coupable d'un délit de fuite. Ok, donc toi, tu vas plutôt choper ça. Toi, on va pouvoir envoyer cette moto-là. Choper celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Personne agressive. C'est peut-être pas en l'air, hein. On va pouvoir envoyer. Eh bah, toi, qui arrives, c'est parfait. Ok, ici, ça a été géré. Tac, tac, tac. Ok, c'est pas trop mal. Personne agressive. On va peut-être envoyer les deux, on verra. Agression, tabassage. Let's go. Allez, on prend l'appel. Waouh. Les fous essaient d'entrer dans notre maison. Il faut envoyer la police. Allez, go. Vous êtes seul? Mon père est allé chercher mon frère. Il m'a dit de fermer les portes. Mais ces gens essaient de casser les vitres. Trouver une arme, mère, envoie des services, cachez-vous. Cachez-vous. Mais où? Au grenier, au grenier. Ah, ah, j'y suis, attendez une seconde. Je dois, ça ne souffle pas. C'est bloqué, ils sont juste derrière moi. Ah bah, fini. Ça va couper, chérie. Utilisez votre poids. Et restez calme, ça va s'ouvrir. Ça se trouve, faut tirer. Ah, ça y est. Laissez, voilà. Ma chaussure. Elle a ma chaussure. Ok, si c'est que ça. Enlève-la. C'est pas bête. Remplis l'échelle. Ça a l'air d'aller. Ouh. Ok, on est sur place. Tout va bien se passer, mademoiselle. Tout va bien se passer. C'est une heure de route. C'est pas dangereux là-bas, n'est-ce pas, hein? Non, non. Ils vont bien. Ouais, merci. Waouh, waouh, waouh. Oh, il déboule à 5, je sais pas combien, là. Waouh, qui je peux envoyer? Toi, toi, va falloir, hein. Une unité médicale, ça arrive. C'est de vous dispatcher, oh. Conduite à contresens. Éclatez-vous un petit peu, bah voilà. Tous les deux, ici. Homme agressif, officier à terre. Waouh, c'est horrible. Ok, il va en prendre soin, mais c'est... Waouh, waouh, waouh. Transport médical, encore. Ici, on l'a connu. Personne peut regarder. Agression. Allez, ici. Combien de fois je vous l'ai dit? On va envoyer ici. Waouh, personne coupable de délit fuite. Recherche ta mêlée, donc toi, tu vas... Voilà, venir ici. Toi, tu vas t'occuper de ça. Toi, tu viens sur l'homme agressif. Consommation d'alcool. C'est pour toi. Besoin d'une unité médicale, bah ouais, ils sont tous là les mecs, venez là. Officier à terre, ok, ici, on est attaqué, qu'est-ce que ça donne? C'est un agresseur, ça s'est géré, besoin d'un transport de police. On va pouvoir l'envoyer ici, tac tac tac, qu'est-ce que ça donne? Ok ok ok, on c'est dans l'ascenseur. Allez, let's go, let's go. Personne ivre. Dans un pub. Ah, il me restait pas une moto, toi tu peux venir ici, parce qu'à mon avis, il va avoir besoin. Ah, peut-être toi. Toi plutôt. Ready for action. On my way.
Tu reviens dans le centre, et si on a une personne inconsciente? Eh ben voilà, ça c'est pour toi. Transport de police, ok, toi t'arrives. Unité médicale, allez, on va pouvoir envoyer l'hélico un petit coup. Ouh, pas mal, hein, pas mal, pas mal. Non respect d'un feu rouge. Alors, franchement... Allez, on va pouvoir envoyer la moto dessus. Vous, on repartez, personne dépendante. Ça, ça a été géré. Eh bah, compliqué cette petite nuit quand même, hein. On a eu pas mal de blessés dans nos effectifs. Ici, besoin d'un transport de police, il arrive. Cas réglé, waouh, ouais, je sais pas combien d'officiers on a au sol. Je crois qu'il y avait déjà un équipage de... deux. Attends, on a gagné 147 000, c'est immense. On a un blessé, un mort. Blessé, promu. Waouh, ok, là il faut du... Il faut vraiment du gunner. Toi très bon, toi tu feras le taf. Il faut du 92 ans en flingue. Ok, puis alors ici, il reste du fusil à pompe. Toi, tu vas pouvoir prendre ça. Du flingue. On a quoi? Du 91 ici. Allez, hop, on prend. Toi, ça va être du fusil à pompe de SWAT. Ok. Ok. On a dit qu'on renforçait un petit peu la police. Enfin, même à fond, au taquet. J'avais pas dû blesser là-dedans. Eux, ils sont là. Eh ben, allez, on va se faire une nouvelle unité. Pas assez de membres dans la boutique. Ah! Quand même. Et en plus, on n'a pas assez parce que c'est 145 000. Et si je crois que c'était une unité de SWAT. Aïe, on n'a pas assez dans la boutique. Il a fallu remplacer les personnes blessées finalement. On n'a pas grand chose. Hein. Service restant 3. Il faut toujours être au-dessus des 80%. C'est votre faute. Mon enfant est mort et c'est à cause de vous. C'est votre décision et votre responsabilité. Ok, génial. Ils sont partout. Il y a plus d'endroit. Sûr, nulle part. On m'a attaqué hier. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper sans me faire mordre. Je les voyais la nuit. Je les entends crier dans les caves pendant la journée. Ils sont de plus en plus nombreux. Et nos proches sont en train de mourir. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Est-ce une punition? Quel crime avons-nous commis? Ouais. Ça, c'est les raccourcis pour accélérer. Et tout. On est mal, hein. On est mal, patron. En tout cas, j'ai une... petite voiture au garage. 165 qui coûte. Je suis prêt à déployer la voiture. Et on va recruter un bon pilote avec un bon tireur. On peut faire ça, ça. On va pas trop mal les stuffer. On va les mettre en émeute. On va les mettre en fusil automatique. Du coup, ça nous a pas coûté grand chose. On a juste recruté un homme. Un homme qui servira pour plus tard, parce qu'on fera toujours supprimer une moto pour déployer derrière le gros véhicule qu'on va avoir à dispo. Allez, on se dirige vers le service 4. Je crois que ça va être méchamment intense. Une personne sans connaissance. Allez, on se dirige dessus. Ok, ça va être quelque chose, hein. Une route barrée. Ok. Ça va être quelque chose. L'hélico, on avait dit que c'était plutôt ici. Bah voilà, comme ça, toi, tu vas pouvoir un petit peu te remettre sur le centre de la carte. On a un pickpocket. On va pouvoir y lancer la moto. Aux trousses, cas résolu, parfait. On a encerclé par les contaminés. Ok, et bah toi, tu viens sur place. Ok, on va ralentir légèrement. On va juste envoyer ça avant. C'est une petite chute dans les escaliers que ça donne. Ok, ici on a un citoyen. Il est contaminé. Ok, ça c'est fait. On va juste pouvoir envoyer l'hélico. Toi, du coup, tu peux te mettre ici. Ça va être bon. Ici on a une personne agressive. Envoyer le fourgon. Besoin de transport de police, évidemment. On va déployer la voiture. Tac, tac, tac. Ok, c'est déjà pas trop mal. Une agression au couteau. Allez, zéro risque. En attendant, ils sont dispo. On va envoyer. Ça, on va y suivre. Merde, il y en a encore. Il est tout seul. Allez, séchez-le, fini. Ça allait vite. But, bombe décontaminée. Waouh. Mais ici, on va essayer de faire ça. Lui, menote le suspect.
grave intoxication. Eux, ils vont faire ça. On prend l'appel. Monsieur, prenez ça. Le gars connaît une ligne privée. Nous avons besoin d'aide pour sécuriser des établissements publics. Ça devient incontrôlable. Je suis l'homme en charge de cette ville. Le maire n'est pas disponible. Que se passe-t-il? C'est la fin du monde, bon sang. Un autre hôpital vient d'être envahi. Et ça ne s'arrête pas là. Ok, c'est bien. Combien de bâtiments est-ce important? Quel établissement? Moi, j'irai ça comme un appel quelconque. On va choper les adresses et les hôpitaux, les édifices, les postes de police. Toute aide que vous pouvez nous apporter nous sera utile. Non, mais il est marrant, lui. Un peu agressif. C'est difficile à estimer. Plusieurs dizaines au moins. Tellement mal. Ok. De quoi avez-vous besoin? Ok, on a besoin de pompiers pour construire des barricades. Allez, on va les aider. Ok, donc lui, c'était surtout les pompiers, je crois qu'il voulait. Ok, donc ça, on va y noter là. Ouais, les pompiers d'ailleurs, en parlant d'eux, ils ont gros. Donc ça, le cas a été réglé. Toi, t'auras besoin de quoi? Transport de police, viens ici. Encerclé par des contaminés. Encore. Toi, tu peux venir ici. Encerclé par les contaminés. Toi, tu vas pouvoir venir. C'était ici. Parfait, ça, ça se gère. Ça se gère. Il va me falloir un transport juste ici. Ok. Ici. Un pickpocket. On va envoyer la moto. Par contre, il nous faut encore du pompier ici. Barricade. Pour protéger une propriété privée. Ok. Peut-être que c'était ça le coup de fil. Juste du gros bourgeois. Ici, on a un AVC. Ok, ça, ça va être géré, on l'a dit. Clac, on est pas trop mal. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Barricade d'une propriété privée, publique. Ok, après, pourquoi pas si on peut aider, franchement. Parce que les pompiers, c'est pas ce qu'ils nous demandent le plus. On va juste envoyer une petite voiture ici pour un cambriolage. Ça, c'est réglé. Besoin d'un transport de police. Envoyez-lui ici. Ok, il y a des trucs qui sont réglés. Encerclé par les contaminés, ça, ça a dû être géré. Ça, c'est bien cool. Toi, tu peux te rapprocher un petit chou, s'il te plaît. Besoin d'un transport de police? Non. Oh. C'est une blague. Pourquoi? Ah, voilà. Et comment ça, besoin? Ah, mais lui, il peut peut-être pas transporter, lui. Ah. C'est une blague. Bah, toi, sors d'ici. Voilà l'étalage. Allez, on va envoyer ce véhicule ici. Car résolu. Ici. Personne mordu. Brûlez-le. Brûlez-les tous. Panneaux routiers endommagés. Alors ça, on va laisser pisser. Morsure soupçonnée. Allez, toi, tu vas redescendre. Aïe, aïe. Bah, plutôt toi, d'ailleurs. Toi, par contre, tu vas te poster par ici. Ça, c'était géré. Tac, tac. Besoin de transport de police. Ça arrive. Retour à la base. Ok. Ok. Ici, on a besoin d'une ambulance. Ça, c'est une bataille entre gangs. Ah, bah, allez, pour tous les deux. On prend l'appel. Chaud, hein. Allez, ils sont partout. L'adresse. Allez, on va envoyer ça. La personne qui a passé l'appel est morte. Ils vont m'avoir. C'est fait. Ok. Bah, si elle est morte, ça sert plus à rien. Appel anonyme. On va quand même envoyer ça. On va envoyer cette ambulance là sur place. Ça, c'était géré. Ici, on a une lutte contre les contaminés. Encore. Ça, c'était géré. Ah. Qui je vais envoyer? Toi. Toi, faut que tu viennes ici. Toi, faut que tu viennes juste en dessous. Tac. Qui on a? Besoin d'assistance de police. Ça devrait arriver, peut-être. Des voyous. Allez, menottes. Ça, c'est un petit pickpocket. On s'en fiche. Ici. Oh là là, la vache, le nombre qu'ils sont. Je vais perdre mes hommes. Je vais perdre tous mes hommes. Venez tous ici. Oh. Blessé. Allez. Tous ici. Officier à terre. Oh, ils sont un nombre de dingue. Allez. Oh, ils sont tous blessés, les mecs. Oh, ils me les ont. J'aurais pas dû faire ça.
J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû laisser courir. Ah, je viens de tous les perdre. Et ici, j'ai un pickpocket. Là, j'ai du vol à l'étalage. Ici, j'ai un agression, tabassage. Allez, venez ici, venez ici. Bataille entre gangs. J'ai perdu tout le monde. Ça se frite encore un peu. Il va falloir vraiment des ambulances. Aïe, 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 aïe. Allez, hop, on est sur place. Ah, c'est l'hécatombe. Violation de domicile. Je peux plus rien faire. J'ai plus d'unité de police presque. Ok, toi, il va falloir que tu remontes un peu plus haut parce que... Mon dieu, j'en ai besoin. Toi, tu vas aider ici. Toi, tu vas pouvoir te rendre ici. Toi, je vois que t'es dispo, tu vas pouvoir te rendre ici. On a du monde, hein. Alarme incendie, va checker. Direction de la circulation, non mais franchement. Toi, tu fais quoi, toi? Viens ici. Ils sont en train d'aider. J'espère que j'ai pas perdu tous mes hommes ici. On est attaqué. Ok, je note. Besoin d'un transport de police. Quand je peux. Panneau routier, ça va se libérer. Ici, on est attaqué. Ok, ça a été mis au sol, réglé. Cas résolu. Feu tiré quoi, oh là là, c'est pas possible, là c'est pas possible. Toi, viens checker ça. Allez, ici on va aider les petits copains, ici. Besoin d'unité médicale, ça arrive, ici, transport médical également. Ouais, bah ils font ce qu'ils peuvent. Toi tu peux retourner. Toi tu peux retourner, j'ai perdu tous mes hommes. Oh. Oh, c'est terrible. Hein. Oh, les va et vient à l'hôpital. Oh. Wow. Ah, c'est terrible. J'ai un mort. J'ai personne ayant appelé. J'ai que du blessé. Ah, c'est terrible. Là, c'est terrible. J'ai un plus 15. Oh la vache! J'ai juste gagné 30 000 dollars. Promu. J'ai blessé. J'ai un mort. Blessé. Promu. Et promu. J'ai un mort, bordel. Où est-ce qu'il me manque un homme? J'arrive même pas. Il a l'air d'aller mieux. Non, par contre, c'est qu'il va avoir, ouais. Une ambulance, patrouille, fourgon de police et une moto au garage. Et j'ai 154. Et ben, mon dieu, on va recruter, hein. On va avoir tellement d'effectifs. Lui, il est très bien. Elle est très bien, pardon. Par contre, il m'a dit, il faut du gunner à tout prix, hein. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le domaine. En même temps, ça va être les seuls qu'on va avoir. D'ailleurs, il faudrait que j'envoie des pauvres stats. Lui, eux, ils feront un binôme. Ok, ça peut être pas mal ici, on va dépêcher une petite voiture, ok. On met tac. Allez, en réserve. Une moto. Toute seule. Hospitalisée. Ah, franchement. On va au moins lui mettre une petite arme, ça va être pour dépanner. Hein. Franchement, je sais pas quoi faire. Faut qu'il soit équipé, mais à mort, les gars. Faut en découdre. Il faut totalement en découdre avec eux. Ok, eux, ils sont de nouveau équipés. Ça, on va arrêter. On va s'envoyer des grosses armes. Du fusil. Je vais voir ça. On va les truffer de balles. Les motos, on l'a dit qu'ils n'étaient pas spécialement concernés. Les voitures. Peut-être. Je suis en train de me liquider. J'ai bientôt plus de ronds. Oh, ils ont quasiment que de ça. Ok, il n'y a que les motos où je me suis permis. Ok. C'est terrible. Hein.
Contaminé. Cher opérateur, le gouvernement a confirmé des informations au sujet de l'infection. La maladie se déclare le plus souvent à la suite d'une morsure, d'une égratignure ou d'un contact avec les fluides corporels d'une personne à un stade sévère de la maladie. Après quelques jours, le patient développe les symptômes de la première phase. Fièvre, yeux injectés de sang, apathie, pâleur, douleur dans les membres. Vient ensuite à la phase de sommeil. Le patient est souvent endormi ou inconscient. Dans la dernière phase, le patient devient de plus en plus agressif envers les gens, finissant par les attaquer, voulant manger tout ce qui se trouve devant lui. Les phases peuvent être différentes selon les patients. Les recommandations officielles de la conduite à tenir avec les personnes contaminées sont les suivantes. Éviter la confrontation, se barricader dans les pièces fermées, passer automatiquement à l'autodéfense et ne pas se faire mordre. Oui, encore une chose, une information anecdotique, mais pas impossible, le virus est probablement dans l'air depuis longtemps. Et nous sommes tous porteurs. Magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est que j'ai vraiment pas pu me renforcer. J'ai presque, péniblement, réussi à récupérer mes véhicules de réserve pour y remettre du nouvel effectif dedans. Alors, waouh, ça va être très très compliqué. Ben voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Ça promet des jours 5 et 6, qui vont être très très compliqués. Allez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.